Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on s'ouvre 5 boosters, pack turbo numéro 8. Donc, on est parti avec ces petits boosters de 3 cartes, en moyenne 5 euros. Le booster, bien sûr, de l'édition française. Donc, l'extension complète est composée de 9 cartes communes, 6 cartes rares, 4 cartes super rares et 1 carte ultra rare et 1 carte ultime rare. L'ultime rare, hein, totalement. Le petit dragon jugement. Bon, allez. Que la chance soit avec moi. Il y a aussi une carte cavalier squelette, je crois que c'est Dead Excalibur. Très belle carte aussi, mais bon. Je crois que ça, en fait les deux que je veux c'est ultra rare et ultimate rare, donc forcément ça va être compliqué. En plus en ce moment j'avoue que la puissance des cartes n'est pas très avec moi parce que en ce moment je chope pas de super bonnes cartes. Mais bon, on est là pour changer le destin. On est parti avec bombardement de rochers. Stylé quoi, la forteresse qui prend cher. Donc envoyez un monstre de type rocher depuis votre deck au cimetière, inflige 500 points de dommage à votre adversaire. Bon, petite carte classique, ok. Démon jumeau, magnifique carte. Je la connaissais pas, je l'ai jamais drop. Donc la série c'est TU08, ceux qui veulent check. Vous connaissez la chanson je crois, le démon jumeau. Franchement je trouve magnifique les deux démons comme ça. Stylé. Derrière, on a combat en présence de l'empereur. Ah, l'empereur est derrière, tu vois. Petit combat devant. Chaque joueur ne peut contrôler qu'un attribut de monstre. Envoyez tous les autres monstres face recto contrôlés au cimetière. Ok. Bon. Bon, ça va, pour le moment. Je veux pas de double, je veux compléter la série, s'il vous plaît. Commencez pas à faire comme hier. Hier, c'était la merde. Full double. Donc aujourd'hui... Ils sont grands ces boosters, j'ai du mal à choper les cartes. Oh non, mais sérieux, je dis pas de double, qu'est-ce que je tombe? Le démon jumeau. Après, j'avoue que c'est une très belle carte, donc... Non, non, ça quand même, ça me dérange quand même de l'avoir en double. Et derrière, vous allez me sortir quoi? Bombardement de rochers? Allez. Ah, Cerbère. De la cloche de feu. Petite bête effet. Elle est stylée, hein, la carte. Je n'en avais pas non plus. Et derrière, paré à l'interception. Cible un monstre de type guerrier ou magicien face recto sur le terrain, changez la cible en position de défense face verso. Ça, c'est des boucliers. Au début, je crois que c'était des tonneaux, je vous avoue. Mais non, non, c'est des gros, gros boucliers. Pour le moment, je vous avoue, une petite série qui est pas mal au niveau des cartes. Bon, j'ai pas encore chopé de bonnes cartes, mais... Mais je tombe sur des cartes que j'avais jamais drop, donc ça fait plaisir. On découvre de nouvelles cartes. Ça, c'est stylé. Troisième booster. Les vacances de l'empereur. Ouais, c'est vraiment un délire avec l'empereur. Vous avez le château. Vous avez là, ici, tous les petits soldats. Devant, vous avez combat en présence de l'empereur. Ouais, t'as vraiment un délire avec cette extension. Les vacances de l'empereur. Avec son petit bidon comme ça. Tranquillou, le peuple derrière qui se fout de lui. Ok, vous allez voir les gens derrière. Nickel. Statue d'éléphant de bénédiction. Petite carte rocher que je découvre avec vous. Je vous avoue, je ne connaissais pas cette carte. Et derrière. Oh, ça c'est nul. Ça c'est nul, on veut pas de double. Le combat en présence de l'empereur qui retombe une deuxième fois. Allez, nous reste deux boosters pour choper le dragon jugement. Oui, j'y crois, j'y crois. Tant que le dernier booster n'est pas ouvert, j'y croirai toujours. Bon, ça c'est... Ah là 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 là! Mets-moi de la lumière. Statue de l'éléphant de bénédiction. Bombardement de rochers. Ça devient la crise, les gars. Et derrière... Oh, tu dates, poteau! Glaive de l'alligator. Oh, une carte que vous connaissez tous, c'est obligé pour ceux qui connaissent l'animé. Oh, celle-là, je vais la mettre sous pochette, ça, je la garde. Ça, c'est les cartes de mon enfance. Je suis obligé de la garder, ça part dans un classeur. Oui, une petite carte classique, une petite bête à 1005 et 1000 de défense. Mais, vous savez, le charme de cette carte, déjà, oui, c'est une vieille carte qui a bâti mon enfance, mais tu vois, avec la petite illustration, ce puissant lézard peut faire
virevolter son glaive à une vitesse dépassant celle du son. Eh oui, 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 parce que c'est des paquets turbo. Non, mais c'est stylé. Ah, j'aime bien ce genre de cartes. Ça, je mets de côté. Et derrière, le dernier booster. Glaive de l'alligator. On a tous eu cette carte-là en fausse. Il y a énormément de fausses cartes alligator qui ont été éditées à l'époque. Cette carte-là en fausse carte, il y en a la blinde. Mais bon, je l'ai en vrai, je l'ai dans un pack turbo. Ça fait plaisir. Et le dernier booster. Bombardement de rochers, tout à fait. Pour la troisième fois. Allez, pas de double, pas de double. Nickel. Usine des automates. Une fois par tour, si un effet de monstre automate est activé, sauf durant les damage tape, vous pouvez ajouter un monstre automate de max niveau 5 depuis votre deck à votre main. D'accord. Et derrière mon dragon du jugement. Et derrière mon dragon. Oh, c'est pas mon dragon, par contre, je kiffe. Le dragon du glaive de l'alligator. Et ouais, tu crois quoi? J'avais l'alligator, maintenant j'ai le dragon avec. Ah, c'est stylé. Il faut bébé dragon et glaive de l'alligator pour pouvoir faire la fusion de... L'infusion, tout simplement. Magnifique carte. Celle-là aussi, je la garde direct. Oui, c'est pas des cartes qui ont trop de valeur, mais c'est des cartes qui ont une valeur sentimentale, vous pouvez comprendre. Comprenez-moi, s'il vous plaît. Je fais faire tomber mon micro. Bon, à retenir dans ces packs. Franchement, je suis quand même content. J'ai pas mon dragon jugement, mais... Mais voilà quoi, il en faut peu pour être heureux, et ces deux cartes-là, c'est un petit bonheur. On se retrouve ce soir pour l'ouverture des packs turbo. Lesquels? Oui, les packs turbo numéro 5. Je vais quand même aller check avant sur le net, voir ce qu'on peut choper debout dans ces cartes. Et sur ce, bah, je vous dis à ce soir. Portez-vous bien. Salut, salut.